Bonjour, bienvenue sur le webinaire organisé par TZ Conseil avec Eutelmed et LDE. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que nous sommes presque 130 aujourd'hui. Nous vous remercions énormément. 130 à vous être inscrits sur ce webinaire. Donc, des personnes qui viennent un petit peu du monde entier, dans plus de 40 pays différents, de la Nouvelle-Zélande au Venezuela, du Mali à la Slovaquie, en passant bien sûr par les États-Unis, puisque nous avons un représentant des États-Unis parmi nos intervenants. Voilà, donc en deux mots, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes confrontés depuis quelques semaines à une épidémie qui est nouvelle et encore mal connue, et qui, d'après l'OMS, est maintenant qualifiée de pandémie mondiale. Cela entraîne depuis quelques jours la fermeture massive d'établissements. Cela entraîne aussi une réaction des autorités, donc on peut saluer tout ce que fait actuellement le ministère de l'Éducation nationale, des Affaires étrangères, plus localement des rectorats, des ambassades, qui nous donnent régulièrement des consignes que nous devons bien sûr appliquer complètement. Le CNED, les opérateurs publics, privés, publics ou privés de l'enseignement français en France ou à l'étranger, sont complètement aussi mobilisés pour des initiatives qu'on évoquera sans doute après. Il y a aussi des initiatives privés ou publics, qui voient également le jour. Voilà, donc si vous voulez, nous allons commencer. Je vois que tout le monde, on a actuellement 33 personnes qui sont en direct, d'autres seront en différé. Vous dire simplement que TZ Conseil, LDE et Eutelmed sont des acteurs de terrain qui sont engagés depuis longtemps dans le monde éducatif numérique. Nous avons pour la plupart tous connu des crises. On peut se rappeler le SRAS en 2003, H1N1 en 2009. Bref, ce que nous souhaitons, c'est partager avec vous aujourd'hui notre expérience, vous proposer quelques conseils techniques et humains et échanger, si possible, sur les bonnes pratiques. C'est dans ce sens que nous allons aujourd'hui lancer ce webinaire. J'en profite pour me présenter, parce que je ne l'ai pas fait. Donc, je m'appelle Patrick Tenet, je suis le président de TZ Conseil, un des trois partenaires de ce webinaire. Je vous signale que nous l'avons monté en très peu de temps. Je remercie beaucoup nos autres partenaires et intervenants, puisqu'il a été décidé il y a environ une semaine. En une semaine, nous avons fait la communication, organisé ce webinaire, et nous sommes heureux de vous le présenter aujourd'hui. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole pour se présenter brièvement aux trois intervenants, dans l'ordre. Donc je demande à Caroline Marker de se présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Caroline Marker, je suis psychologue clinicienne, je suis coordinatrice de crise à Eutelmed. Je suis expérimentée dans le déploiement de dispositifs de gestion de crise sanitaire. J'ai une expérience d'une dizaine d'années à l'international, dont l'Afrique. Et pour vous présenter, c'est important aussi Eutelmed, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une société française spécialisée dans la promotion de la santé psychique des personnes en mobilité. Et qui s'appuie sur des solutions à distance et un réseau expérimenté alors de psychologues, psychiatres, médecins, orthophonistes. Très bien, merci. Je passe donc la parole ensuite à Pascal Vallée, qui va lui aussi nous se présenter brièvement. Bonjour Pascal. Bonjour, je suis Pascal Vallée, je suis directeur au lycée des Nations Unies de New York. Et j'ai été également directeur des questions académiques et technologiques dans l'établissement. Et dans le passé, j'ai été en charge des questions numériques dans la zone Asie-Pacifique lorsque j'étais directeur à Séoul et à Bali. Et donc ici, j'apporte une expertise locale et concrète puisque notre établissement est fermé depuis lundi. Puisque nous avons eu, pour des questions bien sûr de sécurité et de santé pour notre communauté ici, New York étant frappée par cette pandémie. Donc c'est vraiment une expertise locale que je vais partager avec vous et des solutions locales que je vais partager avec vous. Merci Pascal. Donc je passe la parole au troisième intervenant, donc qui va se présenter, Pierre Alban. Merci. Bonjour à tous. Je suis Pierre Alban Villeroy. Je suis directeur export chez LDE. Nous sommes le premier libraire scolaire de France et le premier libraire scolaire numérique. Et l'ère numérique qui se joue maintenant nous a mené à devenir un vrai accompagnateur des projets, à accompagner les établissements dans leur réflexion sur quels outils répondent à quels usages. Et c'est bien ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui.
Très bien, merci beaucoup. Donc, je me remets en ligne. J'étais un petit peu sorti de l'écran, mais c'est normal. Donc, je me remets en ligne pour vous parler un tout petit peu, mais j'ai, personnellement, mon intervention s'arrêtera là. Donc, je voulais simplement vous donner quelques règles du jeu par rapport à ce webinaire qui va se dérouler de la manière suivante. Trois interventions, vous les avez, donc les trois intervenants, d'environ 10 minutes chacun, maximum. Ensuite, nous aurons des questions-réponses. Et là, je vous invite à utiliser le chat. Vous avez un chat qui est à votre disposition. Et donc, vous pouvez, poser des questions sur le chat qui est, sur votre écran aussi. Donc, allez-y, vous pouvez nous faire coucou, bonjour, mais vous pouvez aussi commencer à intervenir, voir si ça se passe bien, si la liaison est correcte ou autre. Mais c'est surtout pour poser des questions. Je vous en prie. Le principe, on va démarrer. Alexandre Debar nous dit bonjour. Bonjour Claire, voilà, tout le monde, ça y est, on commence. Tout est clair, tout est haut, fort et clair. On vous remercie, on est ravis d'être avec vous. On est vraiment ravis d'être avec vous. Donc, on va commencer si vous voulez bien. Donc, un chat qui va permettre de poser les questions, c'est celui-là. Et un espace question. Cet espace question, il n'est pas public, il est simplement réservé. Vous pouvez poser une question. Ces questions, vous les adresserez à un des trois intervenants et il vous répondra, je dirais, en privé. D'accord ? Il vous répond, bonjour Jean-Marc, bonjour Jean-Pierre. Et ils vous répondront en privé un peu plus tard parce qu'on ne peut pas le faire en direct. On répondra en fonction des questions sur le chat. Voilà, écoutez, je vais laisser la parole pour 10 minutes donc à notre ami Pascal Vallée, que j'ai connu dans une autre vie et qui est maintenant New-Yorkais et qui a un beau pont, je crois, derrière lui. Voilà. Absolument, absolument. Et je pense qu'on pourra faire un deuxième webinaire pour cette question-là, puisque Patrick est passionné par ce pont. C'est et j'ai appris sur ce pont beaucoup plus que je ne savais avant de lui parler ce matin. Mais Patrick, ce n'est pas sujet. Le sujet, c'est la crise actuelle qui frappe d'une manière différente différents pays, mais comme tu disais, qui est maintenant une pandémie et donc qui nous impose de pouvoir prendre un certain nombre d'actions. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est vraiment une expérience locale avec beaucoup d'humilité, puisque c'est une expérience que nous vivons actuellement dans notre établissement. Dimanche dernier, le leadership de l'école, donc auquel je participe, a décidé de fermer ses portes pour des questions sanitaires, une décision qui a été saluée par le secrétaire des Nations Unies, puisqu'il a vu que notre décision était là aussi pour protéger ses employés, puisque 60% de nos effectifs sont des employés des Nations Unies. Alors, ce travail de fermeture d'école, bien sûr, il y a quelque chose qui s'est passé avant, et c'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui, sans doute, la nécessité de se préparer pour cette situation de crise. Alors, je partage avec vous un certain nombre de conseils, des conseils que je me suis imposé à moi-même dans la préparation du dispositif et qui se sont avérés être d'une grande aide. Alors, la première chose, c'est exactement ça, c'est la planification et l'anticipation. Il faut que vous anticipiez un certain nombre de choses. La nécessité de structurer les outils techniques. Quels outils technologiques vous allez utiliser pour pouvoir transférer, alors en ce qui concerne un établissement scolaire de face à face vers un enseignement scolaire virtuel. Quels sont les modes de communication que vous allez privilégier? Mode de communication avec les familles, mode de communication avec les élèves, mode de communication avec vos équipes. J'ai une équipe de 80 personnes et notre établissement a 320 employés. Donc tous ces modes de communication doivent être anticipés. C'est pas lorsque l'école est fermée qu'il faut commencer à se poser cette question. Parfois il n'y a pas d'alternative, l'école est fermée et on n'est pas prêt et donc il faut agir, mais autant que plus possible, anticiper ces modes de communication. Anticiper aussi le soutien. Dans un établissement, moi je me considère en tant que directeur d'école, je présente au niveau des familles, au niveau des collègues, comme un soutien aux autres, un soutien aux élèves dans la classe, un soutien aux apprentissages. Et donc cette question du soutien est importante. Quel soutien est-ce qu'on va proposer lorsque la structure sera lancée? Et puis, bien sûr, il faut structurer cette approche pédagogique, puisque de l'enseignement face à face, avec bien sûr, alors on utilise les flipped classroom, le blending learning, etc. Donc, on utilise déjà les outils numériques, on fait souvent un mix, en fait, des deux. Mais demain, on est dans un environnement uniquement virtuel, où on n'a plus de contact physique, on n'a plus de face-à-face. Donc tout ça, bien sûr, cette réflexion-là est absolument nécessaire. Et là, je parle d'un point de vue du directeur, mais au niveau du chef d'établissement, il y a bien sûr toute la question, comment est-ce qu'on va faire payer les salaires, etc. Donc un grand nombre de questions derrière qui doivent être anticipées et qui permettront
à la structure pédagogique de fonctionner. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ça, s'asseoir en équipe et anticiper toutes ces questions-là. Le deuxième conseil, et qui est pour moi ici crucial et qui a été le point de départ de ma réflexion il y a 3 semaines, donc 2 semaines avant, en fait, avant que l'école ferme, c'est l'analyse locale des outils et des ressources qui sont déjà à disposition. Alors, habituellement, dans un établissement scolaire, lorsqu'on fait des choix numériques, on développe une vision. On développe cette vision qui va permettre à l'école d'être collée à sa mission, d'être collée à ses valeurs. Et ensuite, on fait des recherches d'outils numériques qui vont permettre de coller à cette vision. L'idée que l'outil technique est une extension de notre corps, l'outil technique est une extension de notre esprit. Dans une période de crise telle que celle que l'on connaît aujourd'hui, alors en tout cas pour moi, la réflexion était que je n'ai pas le temps d'avoir cette recherche d'un outil qui puisse matcher, qui puisse viser ma vision de quel sera l'enseignement en ligne que je vais proposer à mes élèves. Et donc c'est une réflexion inverse. Quels sont les outils que nous avons actuellement à notre disposition? Quels sont les outils que nos élèves connaissent? Quels sont les outils que nos enseignants connaissent? Quels sont les outils que l'équipe de l'école connaît? Et comment ces outils-là qui existent, quels sont ceux qui vont permettre de favoriser le transfert de l'école physique vers une école virtuelle. Donc là, en ce qui nous concerne, il y avait plusieurs approches. Au niveau du collège et du lycée, on a ce qu'on appelle Schoology, qui est une plateforme d'enseignement qui permet de faire ce qu'on appelle le blending learning, c'est-à-dire un mix d'enseignement face à face et d'enseignement en ligne. Donc, c'était assez évident pour le collège et le lycée de transférer ce travail-là du physique vers le en ligne en utilisant Schoology. Il y avait une nécessité de formation à faire sur une option de classe virtuelle qu'on n'utilisait pas. Et donc, on a mis le paquet là-dessus. On a formé les enseignants très, très rapidement d'un point de vue purement technique sur l'utilisation de cette plateforme. Au niveau du primaire, l'enjeu était plus important puisqu'on n'en a pas de plateforme d'enseignement en ligne. On a ce qu'on appelle un digital portfolio et CISO. Et donc, ce digital portfolio permet aux élèves de documenter leur travail, mais ne permet pas de faire un enseignement en ligne. Donc, le travail qu'on a fait, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là, que les élèves et que les... j'ai ma fille qui arrive, donc ça c'est aussi lorsque vous travaillez de la maison, c'est ce qui se passe, elle arrive, voilà, donc désolé. On est ravis de la voir. C'est du réel, hein, c'est du réel. Et donc c'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser cet outil technique qui est connu par les élèves, qui est connu par les enseignants, et comment est-ce qu'on le transfère sur l'enseignement en ligne. Donc on a fait tout ce travail avec les collègues de formation avant la fermeture, et ce qu'on regarde c'est quelque chose qui est minimaliste. On n'essaie pas de faire quelque chose qui est trop transformatif parce que sinon on risque d'avoir des difficultés. Donc ça c'est la chose essentielle. Regardez les outils que vous avez et essayez de voir comment ces outils peuvent s'adapter. Le troisième conseil que je peux donner, c'est la délégation. Dans un mouvement comme celui-là, il est très très important de pouvoir regarder quelles sont les ressources humaines que vous avez et ces ressources humaines, comment est-ce qu'on peut vous permettre de développer les outils que vous souhaitez mettre en place. Donc j'ai un exemple assez concret ici où hier on a distribué des Chromebooks à des élèves qui n'avaient pas d'outils techniques à la maison. Et donc, j'ai travaillé avec la maintenance, j'ai travaillé avec la sécurité, j'ai travaillé avec l'IT, j'ai travaillé avec l'ensemble de l'établissement afin de pouvoir faire en sorte que cette 1h30 d'ouverture de l'école pour des élèves pourrait être possible. Et donc, ce travail de délégation est bien sûr indispensable. L'autre élément qui sera vu avec notre collègue sur le bien-être, c'est la question du bien-être des collègues. Et il est nécessaire de l'anticiper parce qu'une fois que toute cette structure est mise en place, bien sûr, il y aura des adaptations. Pour nous, ça a très bien marché, mais il va y avoir des évolutions. Sur le long terme, on va s'essouffler, donc il va falloir être créatif. Mais l'élément sans doute le plus crucial pour moi aujourd'hui, c'est de gérer ses ressources humaines, c'est gérer l'émotion dans une situation de crise qui dépasse le cadre de l'établissement. Et donc, pour nous, on a mis en place avec les ressources locales que nous avons sur les conseillers et les psychologues scolaires, on a mis en place une structure qui permet aux gens de prendre des rendez-vous, on a des réunions en ligne, etc. Notre collègue de Telmed pourra vous en parler davantage. Voilà, je pense que j'ai passé 8 minutes, Patrick, je pense que j'ai battu mon record. Donc j'ai 30 secondes pour dire bonjour à Pascal Lapassade qui nous a rejoint, avec qui j'ai travaillé à Bali. Donc je suis bien content de te voir, Pascal, ici en ligne. Voilà, Patrick.
D'accord, bien. Mais, merci beaucoup. C'est aussi une question à la fois familiale, on le voit, puisque on a eu la chance de voir ta fille. Comment, quel est son prénom? C'est Lucie. Et Lucie. Lucie, alors peut-être que je vais rajouter quelque chose, Patrick, Allez, là-dessus. C'est vas-y. que lorsque vous travaillez depuis la maison, c'est une intrusion du milieu professionnel vers le milieu personnel. Et ça a un impact. Et c'est un impact, je pense qu'il est très important de pouvoir discuter aussi aujourd'hui. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien. Écoute, merci sur cet éclairage particulier. Donc, voilà. Donc, après cette première intervention, alors peut-être on me dit qu'on ne m'entend pas. Alors, on n'entend pas Patrick. Donc, ça, c'est embêtant. Donc, je vais partir micro. Peut-être, voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Vous m'entendez, vous? Oui, les Très bien. intervenants m'entendent. Voilà, bon, on m'entend. Donc, il y a peut-être, voilà. Voilà. Donc, peut-être ça fonctionne ici. Voilà. Haut et clair. Donc, ça dépend. Voilà, ça suscite beaucoup de réactions. Donc, j'ai enlevé mon micro et je reparle en direct. Voilà. Mais écoutez, bon, écoutez, voilà. Donc, on va continuer. Donc, deuxième, fort et clair. Rien, tout va bien. Il y a tout. Ça va, ça se passe pas. Estelle Lafourcade, oui, on vous entend très bien. Donc, c'est normal. C'est la vie. Des fois, on s'entend, des fois, on s'entend pas. Voilà, donc on va passer à la deuxième intervention. Donc on essaie d'être assez synthétique, assez court. On ne va pas tout couvrir, mais c'est un échange qui pourra se poursuivre ensuite, comme je vous l'ai dit, par d'autres interventions, qui pourra aussi se poursuivre un peu plus tard, parce pourra vous faire passer un certain nombre de documents, si vous le souhaitez. Donc je vais passer la parole à Pierre Alban maintenant, qui va poursuivre, disons, se présenter ses faits, mais qui va poursuivre avec des éléments un petit peu différents, vus de LDE. Absolument, merci. Oui, effectivement, c'est vrai qu'un établissement qui ferme les portes à ses élèves est immédiatement confronté à un enjeu majeur, c'est celui du maintien du lien au sein de la communauté éducative. Et c'est bien une des fonctions des outils numériques qui utilisent ces fameuses technologies de la communication sans qu'un lien physique ne soit nécessaire. Et avec la crise du coronavirus, les acteurs du numérique éducatif ont l'occasion de démontrer une vraie utilité sociale des EdTech. Quitte à en rajouter un peu parfois. Ces derniers jours, de nombreuses annonces et campagnes ont été lancées. Vous en avez forcément vu sur divers réseaux sociaux, plus ou moins pertinentes. Et dans ce foisonnement, les opérateurs publics, DNE en tête, ont même appelé les industriels à ne pas les solliciter en direct pour pouvoir se focaliser sur les problématiques terrain. Nous qui sommes libraires, nous avons un rôle d'accompagnateur des projets pédagogiques et ce rôle doit jouer pleinement à cette période. Donc, ces derniers jours, depuis 2 semaines, 3 semaines, on mène des mini-diagnostics avec tous les établissements qui nous sollicitent. Chacun nous décrit ses outils, ses problématiques, les usages de ses enseignants et de sa communauté, ce qui nous permet de réfléchir avec eux à tout ce qu'on pourrait mettre en place, que ce soit gratuit ou payant, et que nous connaissons bien. Comme le dit Pascal Vallet, et c'est vraiment essentiel à mes yeux, il faut avant toute chose utiliser des outils qui sont connus de tous et utiliser ça comme fondement. La situation d'urgence peut bien sûr être porteuse de changements, mais elle n'est pas vraiment propice à des expérimentations trop nombreuses et trop importantes. Donc, je vais vous tâcher de vous donner quelques pistes en quelques minutes pour bien sûr pouvoir les compléter par d'autres échanges et j'espère avoir déjà quelques idées à vous donner. D'abord, il faut des outils pour faire le lien. Et pour faire le lien, bah, lorsqu'il existe, le meilleur outil en général, c'est l'ENT quand il existe dans un établissement, puisque c'est des interactions qui sont déjà familières pour tous. Même lorsqu'on est dans un simple logiciel de vie scolaire comme Pronote, on trouve des fonctionnalités qui permettent de transmettre des contenus, des ressources pédagogiques, de pousser des instructions dans les cahiers de texte, de générer quelques échanges enseignants-parents. Et pour les plus pointus d'entre eux, on a même certains qui permettent des applications de messagerie instantanée ou de messagerie électronique pour échanger avec les élèves et réceptionner documents et fichiers. Mais c'est évidemment pas simple de choisir et de déployer un ENT dans l'urgence. Donc, on a facilement recours à des outils grand public et particulièrement à ceux qu'on connaît tous et qu'on utilise tous au quotidien. Les opérateurs publics avec lesquels on échange régulièrement voudraient bien ne pas trop voir fleurir des Google Classroom ou Microsoft Education dans les établissements scolaires. C'est vrai que quels que soient les CGV, on maîtrise peu leurs pratiques de RGPD, l'utilisation qu'ils font des données des établissements ou des élèves. Mais il faut reconnaître que ces outils sont des solutions immédiatement fonctionnelles, qui fonctionnent selon des schémas et des modèles qui sont bien connus de chacun d'entre nous et donc très faciles à prendre en main. Donc, notre recommandation dans ces situations, c'est d'utiliser des outils ou des outils grand public sans prendre de décision définitive. Monter un groupe WhatsApp ou un groupe sur Teams, ça permet de créer un lien pendant quelques semaines.
il sera toujours temps de réfléchir au déploiement de l'ENT One Cosmos la rentrée prochaine. Et il faut se souvenir, en fait, nos ENT français qui ont été vraiment poussés par des décisions politiques au début des années 2000, qui ont été souvent considérés comme des coquilles vides pendant un temps, aujourd'hui sont vraiment des outils très complets, très efficaces, et il faut se les approprier autant que possible. La continuité pédagogique, on le sait, elle repose d'abord sur la proximité. Il est vraiment nécessaire de repartir de l'enseignant et de ses élèves pour la penser, avec des outils d'interaction et aussi avec des outils qui vont permettre de concevoir des cours. Pour concevoir des cours, un des premiers réflexes, et ce qu'on entend souvent, c'est la vidéo. Et il faut quand même être conscient que la visio, c'est très compliqué. Une vidéoconférence, ça doit être limité en temps. Mobiliser des élèves pendant 40 à 50 minutes derrière un ordinateur, c'est difficile. Sur les 46 personnes qui nous suivent, j'imagine qu'au moins la moitié sont en train de faire autre chose en même temps et écoutent d'une oreille distraite. Et c'est normal, je le fais aussi. Quand on fait cours à distance, c'est une vraie nouveauté pour les enseignants qui ont l'habitude de confronter à une classe. Jean-Pierre, dis non. Non. Et bien sûr, on est toujours confronté à des problématiques de matériel et sans même parler de la qualité de la connexion. Donc, c'est sans doute l'outil le plus compliqué à utiliser et à moins d'être déjà rompu à ce genre d'exercice, c'est peut-être pas le principal à privilégier. Et non, je ne suis pas mauvaise langue. Bon, pour ceux qui le souhaitent, tout de même, il faut citer d'abord l'outil Ma Classe Virtuelle qui est mis à disposition de tous les acteurs de l'éducation nationale. On trouve très facilement des tutoriels et je pourrais vous en transmettre si vous voulez. Il y a aussi d'autres outils payants du type Zoom ou Airbuy ou Livestorm que nous sommes en train d'utiliser qui fonctionnent très bien. Pour la vidéo, on peut aussi faire des capsules qui permettent de préparer, qui vont être consultées de façon asynchrone. Donc, on réduit une partie de la problématique d'accès et de concentration. Ça demande un travail de préparation et de montage qu'on a toujours tendance à sous-estimer. J'ai vu cette semaine des webinaires de la mission laïque française de formation sur ce sujet pour créer, annoter et diffuser des vidéos qu'il doit être possible de revoir, que je vous invite à regarder si vous le pouvez. Je pense qu'ils sont très intéressants. Alors ensuite, on parle aussi beaucoup de numérique, mais le manuel papier retrouve aussi sa place dans certains établissements. Il a l'avantage d'être un environnement connu, qui a déjà été acheté, les élèves sont souvent rentrés avec à la maison, et parfois il est accompagné d'un cahier de travaux dirigé, et on entend des équipes enseignantes qui se réapproprient l'intérêt du manuel, en se disant que parfois ils proposent des situations clés en main, et que l'objectif de l'enseignant n'est pas de tout réinventer. On a aussi échangé cette semaine avec des établissements dans le Haut-Rhin, notamment, qui était un des premiers départements en France à fermer les écoles. Certains d'entre eux ont mis en place un système de pochettes. Les enseignants produisent des supports de travail, les impriment à l'école et les parents viennent les chercher à l'accueil. Tant qu'on n'est pas dans un cas de fermeture absolue des établissements, ça peut aussi fonctionner. Et ces outils permettent bien sûr de résoudre certaines des problèmes d'accès aux ordinateurs. Il n'y a pas toujours suffisamment d'ordinateurs et de machines dans les familles pour que tout le monde puisse travailler en même temps. N'oublions pas que bien souvent, les parents télétravaillent aussi. Et il est sans doute pas plus mal que les enfants réduisent le temps passé obligatoirement sur écran. Reste aussi, pour concevoir des cours, la possibilité de créer des contenus sur des supports à lire ou à consulter. Les traditionnels Word, PowerPoint sont souvent un peu rébarbatifs, on les connaît, mais bon, il y a matière sans doute à chercher un peu plus d'innovation en la matière. Nous, chez LDE, nous avons choisi de mettre à disposition gratuitement notre plateforme PopLab, qui est une innovation LDE de l'année dernière, qui est conçue pour que les profs puissent concevoir des cours au rendu digne d'un designer, pour que les cours puissent être partagés avec les élèves en toute simplicité et que les enseignants puissent échanger et interagir avec leur classe. C'est un outil qui va prendre tout son sens à mesure que les enseignants s'en empareront et nous feront remonter leurs demandes, leurs remarques. Il est absolument totalement fonctionnel, mais nous le considérons encore comme une bêta, c'est-à-dire qu'il va évoluer au fil des demandes des utilisateurs dans un processus de co-construction. Ce qui est sûr, si on se met du point de vue de l'enseignant, c'est qu'on a une charge de travail importante. La préparation de cours transmis à distance dans un format nouveau, construire ses cours différemment, avoir des relations à distance avec des groupes ou des élèves. Il y a parfois aussi des enfants dont il faut s'occuper, éventuellement un conjoint. C'est pas simple et il faut aussi pouvoir imaginer des contenus prêts à l'emploi. Et c'est sans doute autour de ces questions de contenu qu'on a vu le plus d'annonces depuis quelques jours, avec plus ou moins de pertinence. On a vu les BRNE, évidemment, qui sont remontés très en force.
Canopé qui a rappelé tous ses outils gratuits jusqu'à des activités de théâtre, les éditeurs scolaires qui ouvrent leurs manuels gratuitement, le livre scolaire, on le sait, l'a toujours fait, le livrescolaire.fr, les autres suivent pour quelques semaines. Et bien sûr, on a beaucoup entendu parler du CNED, avec un très gros effort qui a été fait par le ministère. Il est présenté comme l'outil qui va garantir à tous la continuité scolaire. Et c'est vrai. On a une question de Jean Fontaine d'ailleurs à ce propos, donc on le salue, il pose la question « et l'école à la maison ?» en parenthèse CNED. Donc autant répondre tout de suite, en direct. Effectivement, oui, je ne regarde pas le chat en même temps, mais bien sûr, en effet, l'école à la maison. Alors, c'est disponible pour tout le monde. J'ai entendu certains établissements privés qui avaient des difficultés pour y accéder. Mais j'ai aussi vu un certain nombre d'enseignants qui regrettent le fait que on n'est pas forcément dans une continuité pédagogique puisqu'on reprend pas le cours de l'enseignant là où l'enseignant l'a laissé la semaine dernière. On est dans la continuité qui est celle du CNED et en plein milieu d'année scolaire, c'est pas évident à mettre en place. On a déroulé des activités qui supposent en plus la présence d'un tuteur et qui va poser la question de la disponibilité et aussi de la maîtrise des consignes qui sont données. L'élève tout seul avec ses parents, les parents ne sont pas toujours disponibles, ils peuvent télétravailler, ils ne disposent pas toujours des compétences pour assister l'élève, parce qu'à un certain niveau, on commence à décrocher. Et comme c'est souvent le cas, je sais qu'on a beaucoup de parents, beaucoup d'établissements de l'étranger avec nous aujourd'hui, on a aussi beaucoup de parents qui ne maîtrisent pas bien la langue. Et c'est pourquoi on propose volontiers à des établissements qui peuvent se le permettre de s'intéresser à d'autres outils qui permettront aux enseignants de s'approprier vraiment des contenus et de concevoir des parcours adaptés aux élèves de façon individuelle ou par groupe. Avec, pour nous, cette possibilité de créer des parcours, c'est un élément vraiment important qui va permettre de maintenir cette relation à distance. L'enseignement et l'enseignant reste le guide qui emmène son élève dans une démarche de découverte des apprentissages et de progression, même de loin, c'est possible. Il y a de nombreuses ressources exercicielles dans lesquelles on peut piocher librement, qui permettent de concevoir ce type de parcours, et c'est là encore qu'il nous semble important d'être accompagné par un libraire, puisqu'on est en mesure de faire des préconisations et de s'adapter. Puisqu'il y a certains outils qui s'adaptent plus particulièrement à des niveaux, à la fois en termes de contenu ou d'interface adaptée à des tranches d'âge. Par exemple, on a l'outil PEPS pour le primaire, des cahiers connectés pour le collège chez Belin. Il y a des outils qui répondent plus à certains besoins disciplinaires. En général, on est surtout sur des matières qui sont particulièrement adaptées à l'apprentissage par la répétition, l'exercice ou l'expérimentation. En sciences, en langue, en mathématiques, en grammaire, en orthographe. Et il existe quelques plateformes, moins nombreuses, mais qui permettent de déployer à l'échelle d'un établissement complet, du CP à la terminale, et pour toutes les disciplines, une plateforme d'accès à des ressources pédagogiques et d'autres exercices interactifs. Et dans la situation qui nous occupe, avec des familles contraintes de vivre et de travailler sous le même toit pendant que les écoles sont fermées, il nous semble que la plateforme la plus appropriée est Enseigno, qui permet aux parents aussi de suivre les avancées des élèves sans intrusion, et sans doute d'apaiser certaines tensions qui pourraient surgir. D'accord. Attention, excuse-moi, un petit problème par rapport aux mains, peut-être sur la table, ça fait un crachotis là, donc il faut attention. J'arrête. Normalement, Peyralban est... C'est le micro, Patrick, c'est le micro qui frappe la chemise. Le micro qui frappe la chemise. Ah, c'est mon micro qui frappe ma chemise, alors je vais essayer d'arrêter de bouger. Voilà, c'est ça, voilà. Merci, je vais te dire comme ça. On va répondre, le nom de la plateforme, on va écrire tout ça à la fin. Donc, il y a des questions qui sont posées sur les correspondances. Vous allez recevoir sur votre boîte mail, vous aurez tous les contacts, tous les liens vers tout ce qui est indiqué par, bien sûr, Peyralban, mais ce qui aurait été indiqué par avant. Je le préciserai. Ne vous inquiétez pas, tout ça, vous allez recevoir, puisque nous avons vos adresses e-mail. On va vous envoyer un document complet. Voilà. Absolument. Voilà. Dernier point pour faire la transition, peut-être. Oui. Juste que bien sûr tout ça est plus facile en théorie. La relation pédagogique, évidemment, c'est important de se poser la question du contrat pédagogique entre les enseignants, les élèves, les familles. On sait que c'est difficile pour des enfants de s'astreindre à travailler seuls durant des périodes longues, et l'écran n'améliore pas forcément les capacités de concentration dans la durée. Et la vie en famille astreinte à résidence avec des obligations laborieuses va sans doute pas faciliter le travail. Et pour peu qu'on ait en plus un petit frère de 3 ans un peu turbulent, on se posait la question chez moi, tous ces outils vont évidemment être compliqués à mettre en œuvre. Et bien sûr, là, il y a une grande importance pour l'accompagnement de tous. Et c'est là, je pense, que Caroline pourra compléter tout ça. D'accord.
Très bien. Bon, merci beaucoup. Donc, effectivement, c'était le micro, je pense, qui touchait le col de la chemise. Voilà, c'est ça qui crée la petite perturbation. Donc, moi, je reprends une toute petite seconde la parole. Il y a un certain nombre de questions qui touchent le CNED. On va y revenir. Hein. On va pour l'instant ne pas les traiter directement. On va y revenir, mais elles seront posées tout à l'heure dans le cadre des questions-réponses. Certains disent c'est réservé aux établissements de l'AEFE, certains nous disent c'est ouvert à tout le monde. Bref, donc on va en parler un petit peu plus tard. Mais merci, je vois qu'il y a des échanges aussi qui sont en train des chats qui sont en train de se faire entre participants et c'est très bien. Voilà, le modérateur est toujours inaudible pour Madame Ménouret, mais malheureusement c'est le cas pour les autres, donc je peux pas en dire plus. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais pour l'instant les autres entendent, donc vous l'aurez, comme je l'ai dit, vous aurez tout le loisir de réécouter ce webinaire à l'issue de ce webinaire. Donc dans quelques minutes après la fin, il y aura un enregistrement qui est en train de se faire et qui sera diffusé directement. Voilà. Donc maintenant, si vous permettez, nous allons donc je reviens à l'écran et nous allons passer donc la parole à Caroline, donc qui s'est présentée aussi pour Eutelmed et qui va vous donner, je pense, un éclairage très particulier qu'on n'a pas beaucoup entendu encore, je crois, dans le cadre de ces webinaires. C'est sur les et la perturbation que ça peut entraîner au sein de, à la fois des familles, des établissements, des personnels. Donc, Caroline, vous avez la parole. Merci. Donc, aujourd'hui, l'idée de la présentation, c'est de vous parler donc de Eutelmed, que je vous ai présenté en introduction, et aussi de vous parler un peu et de vous donner des recommandations concernant le soutien psychologique. De l'expérience de Eutelmed, tout ce qui est lié à une anticipation des besoins est primordial dans ce genre de contexte. Aujourd'hui, l'autre motif aussi, c'est qu'aujourd'hui, Eutelmed a une demande recrudescente de soutien émotionnel au niveau national et international. Et on est en train de déployer des dispositifs adaptés à la prise en charge du volet psychologique et psychosocial spécifiquement lié au coronavirus. Ce qui est important aujourd'hui de rappeler, c'est que c'est une crise internationale et du coup, elle montre son implication dans toutes les facettes de la vie quotidienne, qu'elle soit professionnelle, sociale et familiale. Et c'est très important d'être très clair sur le contexte d'intervention. Vous avez pu voir au quotidien ou vous allez voir apparaître des comportements que vous allez peut-être juger irrationnels, inadaptés, alors soit venant de personnes individuellement, soit de groupes. Ça, c'est très spécifique en psychologie. Ça montre une preuve de désorganisation qui sont liées à des émotions qu'on peut qualifier de négatives. Dans un contexte de crise comme celui-là, il faut se rendre compte, en prenant un tout petit peu de distance, qu'il y a un nombre d'informations à gérer qui est absolument colossal, qu'il y a une organisation à réévaluer, qu'elle soit au niveau professionnel, mais aussi familial, et qui vont s'intriquer, bien évidemment, l'un avec l'autre, qu'il y a des inquiétudes, qu'il faut gérer aussi les angoisses, non seulement les siennes au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Il y a celle des collègues, il y a celle de la famille, il y a celle de la partie sociale. Et du coup, au niveau individuel et même au niveau de l'établissement, il y a une gestion de stress, une gestion d'inquiétude qui est croissante. On parle aussi dans ce genre de crise, d'angoisse, de peur. On peut parler de stress aigu aussi, qui sont majorés. Nous, on appelle ça des sentiments de vulnérabilité au niveau individuel. Il y a une incapacité à contrôler ce qui est en train de se passer, de ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Au niveau des informations, on en reçoit, mais elles peuvent changer d'une minute à l'autre, comme une fermeture d'établissement en 24 heures, comme réorganiser des cours alors qu'on ne l'avait pas forcément anticipé aussi rapidement. Il est important aussi de parler, parce que là, on est dans un milieu très particulier qui est le milieu scolaire. Et il est important de rappeler que c'est un lieu propice, alors c'est important de le garder en tête, à une augmentation des inquiétudes et des peurs du fait de la rencontre au sein de l'établissement. Il n'y a pas que des professionnels de l'éducation, il y a des élèves, il y a des parents, il y a des parents élèves, il y a des parents professeurs, des parents directeurs. Et du coup, c'est plusieurs groupes qui se côtoient
qui discutent ensemble ou pas, qui ont des inquiétudes. Donc, par exemple, on peut parler des parents qui ont des inquiétudes pour leur propre enfant, parfois un enfant, parfois une fratrie, qui sont demandeurs d'informations immédiates, qui veulent des réponses, qui sont stressés, qui ont eux-mêmes leur organisation, un impact familial à la maison, qui ont, demandent aux établissements quel est le système de prévention et de protection mis en place, quelle est la sécurité, qu'est-ce qui va se déployer dans les jours qui viennent. Et puis, de l'autre côté, un corps enseignant, une direction, qui n'ont pas forcément, alors peut-être pas par anticipation, mais c'est parce que des informations tombent d'en haut, tombent du côté, et qu'il faut faire face au jour le jour, qui n'ont pas forcément des réponses immédiates, donc qui vont entraîner peut-être une majoration de l'angoisse de la personne en face, une majoration de colère, une majoration de questions, et du coup qui vont être soumis à un niveau de stress encore plus élevé. Et il faut quand même prendre en considération qu'il faut garder aussi, un des objectifs, c'est de garder le calme dans l'établissement. C'est-à-dire qu'il y a toute cette circulation d'angoisse, de peur, et au niveau de l'établissement, vous faites tous et vous essayez tous de faire en sorte que cette situation reste calme. Pour les professionnels, vous êtes dans une situation où d'un côté, vous écoutez des demandes, alors elles peuvent être des collègues, de la direction, des parents, des élèves. Et de l'autre côté, vous êtes soumis aussi à une autre pression, c'est mettre en place le déploiement de dispositifs de prévention-protection concernant la crise, également de proposer des dispositifs qui sont exceptionnels pour que les enseignements se poursuivent, parce qu'ils vous concernent bien évidemment et que c'est au cœur de ce qui est en train de se faire face. Donc du coup, on se rend compte que dans ce contexte-là, la pression est énorme, les inquiétudes personnelles s'y mêlent, et que du coup, il y a des groupes qui se forment, il y a des inquiétudes qui se forment. C'est une courte présentation, mais il y a les rumeurs aussi qui viennent un peu perturber ce qui est en train de se passer. Et du coup, pour une telle situation et pour éviter des escalades de tension, donc l'anticipation des besoins, mais qui n'est pas forcément toujours facile, il y a des mesures qui, pour Othenmet, sont d'expérience importante. La première, c'est de mettre en place une communication claire et très précise, anticipée au sein de l'établissement et partagée par tous. C'est-à-dire que la communication qui circule au niveau des enseignants, au niveau de la direction, ce qui est partagé avec les parents, ce qui est partagé avec les élèves, soit cohérent et qu'il n'y ait pas d'essayer d'éviter qu'il y ait des informations qui contredisent d'autres informations. Et la deuxième chose qui, pour Othenmet, est très importante et qui est d'expérience aussi, c'est la mise en place de lieux d'écoute en amont ou pendant la crise, qui sont spécialisés et qui prennent en considération les peurs, les colères, les inquiétudes, des lieux d'écoute et des lieux où il y a des informations qui circulent. Une fois mis en place ces deux éléments, ça favorise de l'autre côté, quand vous êtes en plein déploiement d'autres dispositifs, d'alléger la situation et de permettre le déploiement des autres volets au maintien de l'enseignement pour les élèves, pour les professeurs. En fait, dans ce genre de situation, quelque chose qui est essentiel, c'est que toutes les personnes soient informées, entendues et soutenues. Et ça a fait preuve avec les années d'expérience sur le terrain qu'à partir du moment où vous mettez en place en fait le soutien, l'information et l'écoute, c'est quelque chose qui favorise le déploiement de dispositifs de manière plus aisée. Alors aujourd'hui, pourquoi aussi Othenmet? C'est parce qu'on Othenmet met à disposition des établissements une écoute psychologique en 24/7. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en différentes langues, jusqu'à 40 langues. Ces lignes d'écoute sont des psychologues qui sont formés à la situation de crise, précisément, qui sont maintenus informés régulièrement et qui sont là à l'écoute, en prenant en compte les décalages horaires, en prenant en compte les demandes spécifiques. Il y a une plateforme, des vidéoconsultations pour tous. Donc, des vidéos soit de prise en charge, ça peut être individuel, ça peut être aussi de groupe. C'est pour les parents, les enfants, pour des professionnels d'établissement, pour permettre non seulement leur soutien, mais aussi, c'est important aussi de prendre en considération des conseils personnalisés, parce que dans une crise, il y a le groupe, il y a l'établissement scolaire, mais il y a aussi l'individu, à quel que soit la place dans l'établissement, quel que soit la fonction de la personne pour gérer la crise. Et il y a aussi une autre possibilité, c'est de travailler avec des consultants en amont ou pendant la crise pour justement déployer une communication efficace et une communication qui permette justement de diffuser des informations claires. Donc voilà, pour faire un tout petit peu un topo
de la partie émotionnelle que, comme disait Patrick, on n'entend pas très souvent et qui, pour nous, nous paraît essentielle pour justement permettre de déployer un dispositif harmonieux. On a eu, je pense, un panorama assez clair, assez complet, en tout cas en fonction des compétences, bien sûr, de chacun de nos intervenants. Ce que je vous propose, c'est de commencer à répondre aux questions. Donc, il y avait une première question qui me semblait intéressante, c'est sur la capacité. C'est Christelle qui avait posé cette question. Je vais rétablir, donc Pierre Alban, on rétablit le son, donc Christelle l'a enlevé, mais peut-être que Pascal pourrait répondre à cette question sur la capacité à se regrouper entre amis, un petit groupe d'amis à la maison. D'accord. Donc, il y a effectivement cette question que j'ai vue qui m'amène à une réponse qui est peut-être une réponse un peu froide et administrative, mais c'est quelque chose que j'ai gardé à l'esprit pendant tout ce processus. C'est la question de notre responsabilité et de la santé. Aujourd'hui, demander aux élèves de se rassembler pour pouvoir travailler ensemble, même si c'est quelque chose qui me paraît tout à fait valeureux d'un point de vue du bien-être, c'est aussi notre responsabilité en tant qu'établissement de ne pas inciter des élèves à se regrouper et qui pourraient éventuellement communiquer le virus. Et donc, c'est dans le travail que j'ai fait cette semaine, j'ai pas mal de collègues aussi qui m'ont demandé des conseils médicaux, etc. C'est savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à un phénomène qui est encore inconnu. Et donc, cette question du rassemblement, pour nous, il est essentiel, mais il se pose plus comment est-ce qu'on va pouvoir les rassembler d'un point de vue virtuel. Parce qu'encore une fois, si jamais je proposais aux familles « regroupez-vous parce que vos élèves vont pouvoir en profiter », et si jamais cela entraînait des élèves qui attraperait le virus de la part d'un autre élève, à la fois c'est problématique pour l'élève, mais à la fois aussi les familles pourraient se retourner contre l'établissement en ayant suggéré ce type de comportement. Donc je sais, c'est un petit peu froid, je suis quelqu'un qui est très humain, qui a une approche très très humaine du travail, mais je dois en même temps avoir ce devoir de rigueur par rapport à quelque chose qui dépasse notre qui dépasse le cadre de l'école et voilà. Donc je ne sais pas si c'est une réponse qui est satisfaisante. Par contre, ce qu'on a pu observer, c'est que les élèves du lycée ont témoigné du manque d'interaction qu'ils ont avec les autres. L'outil technologique qui était utilisé par le collège et le lycée permettait aux élèves de se voir et d'interagir, mais la plateforme a été tellement utilisée, c'est un outil gratuit dans Schoology, un outil payant. Ils ont chargé en fait financièrement l'outil, et pas uniquement pour gagner de l'argent, mais parce qu'en fait, ceux qui payaient l'outil avec plus d'options ne pouvaient plus l'utiliser à la même, parce qu'il y avait trop d'utilisation en fait. Et à partir du moment où l'outil tout d'un coup n'a plus permis aux élèves d'avoir cette interaction, les élèves ont manifesté un mal-être. Et donc là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir, donc est-ce qu'on paye l'outil? Est-ce qu'on paye l'outil? Est-ce qu'on a la capacité de payer l'outil avec le plan qu'il propose? Ou est-ce qu'on se dirige vers un autre unique outil qui est déjà connu des élèves? Donc, cette question-là, elle est fondamentale, mais je pense qu'il faut la garder d'un point de vue virtuel afin de ne pas prendre le risque de propager la maladie. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Donc, d'autres questions? Alors, on a une intervention de Philippe Pradel, là, donc, que vous voyez sur la partie chat, hein. Donc, ce que je vous propose, là, vraiment, c'est de poser vos questions sur le chat pour qu'on puisse y traiter en direct, hein. Puisque les questions qui pourraient être posées par ailleurs seront traitées directement par les intervenants, mais après. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Alors, Philippe nous parle de pistes et je crois que c'est très intéressant aussi que chacun puisse aussi apporter sa contribution. Quand on parle d'échange, nous sommes en plein dans l'échange. Donc, Philippe Pradel nous amène aussi des éléments du cahier pédagogique. Je vais quand même retourner un tout petit peu vers Pierre Alban, même s'il n'en est pas le représentant, pour parler un petit peu, effectivement, je sens qu'il y a un petit peu de la confusion par rapport aux possibilités du CNED, savoir un petit peu quels sont les outils que le CNED propose. Donc, certains nous disent c'est payant, d'autres nous disent c'est gratuit. Bien sûr, tous nous indiquent, et en particulier Joël nous indique que c'est parfaitement, donc les agents, les personnels du CNED sont très mobilisés, et ça, on n'en doutait pas. Donc, mais il semble y avoir un petit peu de confusion sur la capacité à pouvoir utiliser à la fois le CNED en France, à l'étranger, des partenariats. Pascal Lapassade nous met un lien, il nous dit qu'il ne s'agit pas de ma classe virtuelle, il s'agit d'autre chose. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Enfin, encore une fois, tu n'es pas le spécialiste du CNED, mais tu peux nous en dire deux mots par rapport à ce que tu en sais, l'expérience des relations avec d'autres
avec d'autres établissements. Oui, absolument, absolument. Alors, le CNED, évidemment, a été beaucoup sollicité et techniquement, je sais qu'il se prépare depuis un bon moment, hein, puisque déjà, lorsque les établissements de Chine ont fermé, à ce moment-là, on a déjà entendu parler du CNED comme une solution qui pouvait éventuellement soutenir d'abord l'AEFE dans son ensemble et ensuite l'éducation nationale en France. Et pour avoir été la semaine dernière avec des représentants de tous les opérateurs publics et privés du numérique éducatif, je sais que c'est vrai, sur le plan technique, ils ont vraiment fait en sorte que leurs outils soient extrêmement robustes et soutiennent des dizaines de milliers de connexions dans la journée. Donc, c'est sûr que le CNED est une solution qui aujourd'hui est fonctionnelle. Et alors, on verra avec l'épreuve des journées, hein, mais en principe, ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que tous les élèves puissent y accéder. Pour être très précis, parce qu'effectivement, j'ai vu dans le chat un certain nombre de questions, il me semble que les établissements AEFE ont le droit d'accéder au CNED. Je ne sais pas précisément quels sont les établissements, quel type de relation avec l'agence il faut avoir. Est-ce que les homologués, les conventionnés y ont droit? Je dois dire que je ne sais pas exactement. Et là, il faudrait que je me renseigne, mais je serai en mesure de vérifier ça et de répondre d'ici lundi dans le message que nous ferons à tous les participants. Ce qui est certain en France, c'est que les établissements privés sont aussi concernés, mais dans un deuxième temps. Donc, certains établissements privés n'ont encore pas obtenu leurs accès. J'ai parlé cette semaine à des établissements dans lesquels, dans le collège, ils attendaient encore leurs accès CNED, alors que le primaire les avait déjà reçus. Jean-Marc nous dit que l'AEFE, pardon, excuse-moi, mais pour l'AEFE, les inspecteurs responsables de zone donnent des accès sur demande. C'est Jean-Marc Aubry qui nous précise ça. Voilà. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose. Pardon. Voilà, fini, Pierre Alban, je t'en prie. Fini. Oui, pardon. Oui, je voyais simplement la question de Madame Lebec, ouais. À laquelle on pourra répondre. On se connaît par ailleurs. Oui. Et est-ce que vous m'entendez encore? Oui, bien sûr. Et bien sûr, en effet, je pense que le plus simple pour l'AEFE, c'est de contacter ses responsables de zone, que ce soit les coordinateurs pédagogiques ou les inspecteurs. Voilà. Donc voilà, Pascal voulait Oui, je voulais rajouter quelque chose. Alors, je connais pas trop bien les outils CNED et je sais que c'est des outils, il y a un travail colossal qui est fait derrière. Avec la connaissance réduite que j'ai, mon inquiétude serait plutôt liée au relationnel. Dans l'approche qu'on a au niveau du primaire en tout cas, les objectifs sont pas uniquement des objectifs académiques, c'est des objectifs de garder des routines avec les élèves et de garder une relation avec les élèves, entre l'enseignant et les élèves. Donc si on utilisait les outils CNED, je crois que ce que j'envisagerais moi personnellement, c'est les utiliser comme ressources, mais pas forcément demander à l'élève, depuis cet enseignement face à face, je te mets sur le CNED, tu vas continuer sur le programme, parce que c'est l'enjeu, il est pour moi, il est au-delà de l'enjeu académique, il est aussi sur l'enjeu relationnel et du bien-être des élèves. Voilà, donc nous venons de perdre Pierre Alban, qui n'est plus en ligne. Voilà, mais donc on peut continuer. Donc, on continue un petit peu, donc on parle, ah voilà, Pierre Alban est revenu. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va arriver, on est à 47 minutes de notre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser ou est-ce que vous avez vu des remarques qui figuraient dans le chat là que vous voudriez pouvoir... On parle de gérer la fatigue et le stress, pardon. On parle en particulier de comment gérer la fatigue et le stress au quotidien. Peut-être la Caroline et Pascal pourraient intervenir. Caroline? Pascal, peut-être premièrement. Je peux commencer sur un exemple concret si vous souhaitez là-dessus, puisqu'effectivement, c'est du vécu. Cette semaine, personnellement, je pense que j'ai passé 15 heures par jour sur l'écran. En tant que manager, je ne demande pas aux élèves, aux enseignants de passer 15 heures, ni aux élèves, bien sûr. Mais il est certain que lorsqu'on fait face à une crise comme cela, ça va forcément nous demander un effort colossal. Maintenant, l'effort que j'ai mis en place, c'est en se projetant sur le long terme. Si l'établissement, on doit toujours imaginer le pire, malheureusement, quand on est leader d'une compagnie ou d'une école, si l'école est fermée sur le long terme, toutes les routines et les protocoles qu'on a pu mettre en place, et je pense que dans les ressources, on pourra partager un lien sur le plan qu'on a mis en place, tout ce travail-là permet de construire une structure qui va ensuite
devoir tourner d'elle-même. Si on ne fait pas ce travail très important en amont, on risque d'être constamment en train de régler des situations et d'être réactif. L'idée, c'est vraiment d'être proactif. Donc oui, ça demande énormément de travail. Mais aujourd'hui, il y a une structure qui va pouvoir fonctionner, en tout cas pendant 2 ou 3 semaines supplémentaires, qui devra se réinventer parce qu'il faut aussi éviter l'essoufflement. Pour ce temps de, il y a beaucoup de questions là-dessus sur le temps, sur les écrans, etc. On est en train de regarder, par exemple, hier après une semaine de pratique, on est en train de regarder un aménagement des emplois du temps. Et pour le primaire, par exemple, je suis en train d'envisager le passage d'une semaine de 4 jours pour avoir une journée off-screen. Le mercredi, par exemple. Donc, ce temps d'écran est quelque chose, effectivement, qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire aussi que les objectifs de l'établissement en termes d'apprentissage pour nos élèves et de nos programmes sont, en quelque sorte, légèrement revus à la baisse parce qu'on ne peut pas offrir le même service et parce qu'on ne peut pas demander à un élève de passer 6 heures par jour devant son écran avec 5 minutes de break dans sa chambre en isolation. D'accord, très bien. Donc, parfait, merci beaucoup. Donc, une autre question. Alors, par contre, Caroline voulait intervenir et je lui donne la parole immédiatement, bien sûr. Ça marche. C'est juste par rapport à la question de comment gérer la fatigue et le stress. Donc, là, c'est un exemple, ce que vous avez partagé, effectivement, un exemple pratico-pratique et puis dans le quotidien aujourd'hui. Il y a peut-être des situations aussi où la fatigue et le stress n'est pas identifié. Ça, c'est typiquement des personnes qui sont comme ce que vous avez décrit, hein, qui sont dans le quotidien, qui gèrent une chose après l'autre. Alors, ça peut être des parents, hein, ça peut être des enseignants, ça peut être à la direction, si tout le monde y est touché. Et si on n'identifie pas justement cette charge de travail, cette fatigue qui est déjà présente, si on n'identifie pas le stress, il y a un moment donné où ça peut devenir un tout petit peu chaotique. Et pour soi, et pour l'extérieur aussi, et du coup, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et du coup, d'avoir justement un système, alors après, il est interne, externe, ça dépend vraiment du dispositif de l'établissement, ça permet justement d'avoir un lieu qui est justement spécifique à la verbalisation de la colère, des peurs, des inquiétudes, inquiétudes pour soi, pour l'autre, et justement de pouvoir, pour les professionnels de l'établissement, d'avoir un espace qui est dédié pour pouvoir justement, à côté, pouvoir déployer l'énergie qu'il faut, parce qu'effectivement, c'est beaucoup d'énergie en peu de temps et sûrement sur du long terme. Et je pense, je vais juste rajouter Patrick, parce que vraiment, c'est l'expérience de terrain. Je pense qu'on est tous des experts pédagogiques, en tout cas pour tous ceux qui sont ici en tant qu'établissement scolaire. On est tous des experts pédagogiques. On va tous pouvoir faire preuve de créativité, etc. Cette question émotionnelle est pour moi, je l'anticipais un peu. Je l'ai vécu, c'est vraiment une dimension essentielle sur laquelle il faut pouvoir se tourner vers des professionnels. Des établissements ont la chance d'avoir des équipes importantes. J'ai une équipe importante en termes de conseillers, psychologues. On a une équipe d'une dizaine de personnes qui peuvent nous apporter du soutien. Mais le travail que Telmed peut faire, et je ne fais pas la promotion de Telmed parce que je n'utilise pas votre service ici aux États-Unis, mais je pense qu'on ne doit pas sous-estimer cet impact émotionnel sur nos équipes, sur nos élèves, sur nos familles. Très bien. Une question peut-être qu'on peut poser alors à tout le monde, c'est Jean Fontaine qui nous demande « Faut-il privilégier un groupe WhatsApp ou Telegram ?» Alors, je ne sais pas si les geeks peuvent répondre. Je peux répondre à ça puisque je l'ai mis en place. Alors, au départ, on a utilisé WhatsApp, effectivement. J'ai plusieurs groupes WhatsApp. Mon équipe de Junior School, le bureau, ce qu'on appelle le GS Office, l'équipe de mes team leaders, donc j'ai des leaders, dans chaque niveau j'ai des leaders, l'équipe du leadership, donc on a commencé à construire ça, et en fait c'est quelque chose que je voulais faire. Alors ça c'est l'intérêt, hein. C'est qu'il y a l'école avant et l'école après, c'est que ce qu'on fait là, effectivement on ne fait pas pour transformer l'école, mais en fait ça va être excessivement transformatif. Et donc, je ne sais pas si c'est peut-être un anglicisme, désolé. Et donc, ce qu'on met en place depuis quelques jours, c'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis quelques années, mais ça n'a jamais eu trop de traction. C'est un outil, alors nous, on va utiliser Slack, par exemple. C'est un outil professionnel, parce que WhatsApp n'est pas un outil professionnel, un outil professionnel qui va permettre de construire de ce qu'on appelle des channels et qui vont donc permettre de créer des équipes de communication. Et donc ça, quand je parle de communication au départ, l'anticipation, c'est absolument nécessaire de pouvoir anticiper ça. Parce que quand vous êtes dans l'action, et que vous devez réagir à des situations de crise pour comprendre ce qui se passe, comme on le disait avant, pouvoir comprendre les difficultés des uns et des autres. Ben, on est à la maison. Si on n'a pas construit des chaînettes de communication, on va se planter là-dessus. Donc c'est vraiment indispensable, moi je dis, de voir quelles équipes, quelles chaînettes de communication doivent être en place,
et de vraiment mettre en place ces dispositifs. C'est fondamental. Il y avait une question avec les parents aussi, par exemple. Moi, oui, ce que j'ai, ça, oui. Voilà, oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté les class parents. Et on a deux parents à l'école qui sont en charge de tous les parents de l'école, et on a deux parents dans chaque classe. Donc, je vais faire un phénomène de relais. Je vais faire une réunion avec eux la semaine prochaine où je vais leur demander d'être un relais pour tous les autres parents de leur classe, puis aller vers les classes parents, puis aller vers moi. Parce qu'il faut qu'on soit aussi conscient de la masse de communication qui va nous arriver. On va mettre en place des webinars. Comme on le fait aujourd'hui, on va le faire avec les parents sur des thèmes de bien-être, etc., sur des thèmes de soutien scolaire. Et donc, tout ça, effectivement, on va essayer de recréer virtuellement cet espace de communication et de proximité qu'on a avec nos familles. Les parents sont dans des situations qui sont parfois très difficiles. Un parent seul, qui travaille, qui doit travailler de la maison, qui a deux enfants au primaire. Il faut pouvoir leur apporter du soutien, il faut pouvoir créer ces chaînettes de communication. Voilà, et c'est ce dont on travaille aujourd'hui à l'école. Merci. Pierre Alban. Oui, merci Patrick. En fait, pour aller dans le sens de ce que dit Pascal, en fait, il me semble, là je prends quelque part ma casquette à la fois de représentant du monde de l'entreprise et de parent d'élève, c'est que il y a deux problématiques d'échange. Il y a les échanges entre collègues pour gérer la crise au niveau de l'établissement. Et là, il faut s'inspirer de tout ce qu'on voit se développer dans l'entreprise et qui s'accélère beaucoup avec toutes les pratiques de télétravail qu'on voit en ce moment et en France en réalité depuis quelques mois et depuis les grands phénomènes de grève. On a des outils comme Slack, comme Teams de Microsoft qui sont extrêmement utilisés dans les entreprises, qui sont super efficaces et qui permettent effectivement de compartimenter les discussions avec des interlocuteurs qui ne sont liés que selon la thématique et dans toutes les problématiques professionnelles, c'est extrêmement efficace. Et de ce point de vue-là, on serait tout à fait prêt, par exemple, à faire part de nos expériences en tant qu'entreprise, mais renseignez-vous auprès de vos parents d'élèves. C'est sûr que dans les familles, dans vos conseils d'établissement, il y a forcément des parents qui, dans leur cadre professionnel, utilisent ces outils. Ensuite, pour la communication établissement-famille, là, il me semble que il faut regarder ce que font les parents, parce que les parents, comme tous les particuliers du monde, utilisent énormément de réseaux sociaux. Et là, il faut réussir à s'adapter à ceux qui sont utilisés dans votre école. Est-ce qu'il y a déjà, et il y a certainement déjà des groupes WhatsApp qui préexistent entre les parents d'élèves ou des groupes Messenger ou je ne sais quoi. Et là, il faut réussir à les identifier parce que ce qui est certain, c'est que le meilleur canal de communication, c'est le canal que vos parents utilisent déjà. Très bien, parfait. Je vois que certains sont obligés de partir, c'est pas grave, le webinaire sera visible en différé, donc vous inquiétez pas, on va pouvoir le voir. Une question effectivement de Joël Ferral sur les webinaires dédiés aux familles. Ça peut être aussi envisagé d'en faire un aussi plus global avec TZ Conseil, mais pas que, hein, et Hôtel-Med et les partenaires actuels. On peut aussi envisager de faire quelque chose d'intéressant là-dessus. Il y avait aussi, je pense, une question qui était très importante sur la formation des enseignants. Je remonte un tout petit peu en arrière, mais je pense que c'est quelqu'un qui a posé une question sur notamment… C'est Cosette Andorneau. Voilà, Cosette Andorneau. Et je pense que c'est une question aussi fondamentale. Et Pascal meurt d'envie d'y répondre. Je peux y répondre parce que c'est du concret. Encore une fois, je suis dans l'action. Hein, donc, j'ai passé 15 heures fois… ça fait 10 jours que je travaille dessus, donc je suis peut-être un petit peu énergique là-dessus, mais c'est mon vécu. La formation, ce qu'on a mis en place, c'est qu'à partir du moment, et là je crois que vous êtes ici parce que vous vous posez la question éventuellement de la fermeture d'établissement demain, ou peut-être votre établissement est déjà fermé, donc si votre établissement n'est pas encore fermé, aujourd'hui la nécessité, c'est de former concrètement à l'utilisation des outils techniques. C'est ce qu'on a mis en place. Alors, je travaillais par exemple sur tous les protocoles et j'ai demandé à l'équipe, j'ai travaillé en collaboration avec l'équipe des programmes et du centre de formation qu'on a sur la formation purement technique. Vous allez devoir faire ça, vous devez faire A, B, C, D, E. On va faire A, B, C, D, E. On va pas se poser la question sur à quoi ça va ressembler pour l'élève. On va pas discuter de tous les protocoles. On va juste s'assurer que vous pouvez faire A, B, C, D, E. Donc ça, c'est déjà la première partie. Parce qu'après, si vous êtes plus sur place, ce A, B, C, D, E, au moins, on l'aura fait avec vous en étant juste à côté de vous. Le deuxième élément aussi sur lequel on se penche, c'est, on va faire des fermetures d'écoles virtuelles pour pouvoir permettre la réflexion
et la formation. Donc, ce qu'on est en train de regarder, par exemple, c'est la semaine prochaine, c'est d'avoir une journée où les élèves n'auront pas de classe virtuelle, où les enseignants n'auront pas à préparer quoi que ce soit, n'auront pas à être en ligne avec leurs élèves, mais sur lequel on va faire de la formation et de la réflexion. Comment ces 15 jours se sont passés? Qu'est-ce qu'on peut adapter? Quels sont vos besoins? Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui doit être actif. Et il faut mettre des personnes dessus. Alors, ça dépend de la taille des établissements. Nous, on est dans un établissement qui est assez important, donc on a des ressources. Mais je crois que dans tous les établissements, il faut vraiment se poser cette question de la formation et donc de la communication pour pouvoir récupérer aussi les feedbacks des collègues. Très bien. Une question de Jean Fontaine qui s'adresse directement à Eutelmed. Je salue d'ailleurs Jean en Ouzbékistan, je crois, et qui nous pose la question « Problème des craintes des enseignants, le directeur devrait, selon ses adjoints, tout savoir et avoir un pouvoir rassurant et faillible. Eutelmed peut-il être un relais ?» La réponse est oui, M. Fontaine. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en parler. Mais effectivement, c'est tout à fait une situation qui est classique. C'est le chef d'établissement qui a réponse à tout, qui a une communication tout de suite, qui peut réfléchir aux dispositifs et les mettre en place avec des consignes très claires. Et donc là, on est typiquement dans une situation de crainte qui va se transformer en colère, qui va se transformer en angoisse, qui va faire remonter peut-être dans les relations professionnelles des choses préexistantes et du coup qui est un vrai foyer qui va impacter dans la relation et de travail et dans la façon de déployer le dispositif et qui vous met dans une position extrêmement difficile. Voilà, très bien. Écoutez, on arrive presque au bout là. Je pense qu'on n'est pas très loin même du bout de notre webinaire. Je voudrais, bien sûr, vous pouvez basculer les questions, tout ça. C'est un moment d'échange, c'est un moment de, comme on l'a dit, de partage aussi, hein. On est vraiment là pour pouvoir être ensemble. Je suis très surpris et moi presque un peu ému par le fait que, il y avait certes des intervenants qui étaient montés sur scène, comme on dirait dans une réunion classique, mais il y avait aussi des intervenants de la salle avec plein de compétences, plein d'idées. Et je pense que on parle d'intelligence partagée, hein, et je pense qu'elle était partagée. C'était vraiment, un bon moment sur la pédagogie et un bon moment aussi sur le vivre ensemble. Voilà, et malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. On va arrêter ici parce qu'on est à 1 h 1 min. Je vous remercie tous. Je vous rappelle, donc je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que vous pouvez, dès la fin, revisionner ce webinaire en différé. Donc, il va vous être transmis par un lien dans quelques minutes. Ça va aller très, très vite. Vous aurez aussi, vous allez recevoir plus tard, donc sur votre boîte, des documents et des liens. Nous y travaillerons avec Eutelmed, avec bien sûr LDE et également avec notre ami Pascal à New York de Brooklyn. Et donc, on va mettre tout ça en forme pour vous ayez. Et puis, bien sûr, vous dire que c'est pas fini. On retient l'idée peut-être d'un webinaire avec les parents. Ça, il faut qu'on évoque ça. On va en parler entre nous. C'est peut-être très intéressant. Et puis enfin, vous dire que les webinaires continuent, les webinaires LDE, les webinaires Eutelmed, les newsletters. Donc tout ça, il y a plein d'outils qu'on essaye de mettre à votre disposition. TZ Conseil a quelques webinaires en tête en ce moment sur l'école inclusive, sur le changement climatique, sur les relations dans la communauté éducative. Bref. On a plein de choses qui sont en cours ou en commun avec les partenaires ou pas. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre implication donc sur scène. Un grand merci pour votre implication dans la salle. On se sent effectivement moins seul. On se sent ensemble. On est à votre disposition parce qu'on aime notre métier et on sait que vous l'aimez aussi. Une petite conclusion des 3 intervenants, très rapide pour dire au revoir. Allez, c'est parti avec Caroline. Ben, merci beaucoup pour ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter à travers Eutelmed. Vous aurez l'adresse et le numéro de téléphone. On est là pour répondre à vos questions et si besoin de vous aider à mettre en place des dispositifs. On est opérationnel et prêt. Mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter. Moi, je vais souhaiter bonne chance à tous les collègues. Pour faire face aux situations qui sont aujourd'hui un petit peu imprévues. On ne sait pas exactement à quoi va ressembler demain, aujourd'hui. Je rebondis sur l'élément de on doit être là aussi pour pouvoir rassurer nos collègues. Et je pense que nous-mêmes aussi, en tant qu'humains, on doit être rassurés. Et c'est pour ça qu'il faut ne pas oublier dans ce moment-là la famille,
On peut mettre la tête dans le guidon, être sur l'écran 15 heures par jour, mais au final, on a besoin de ses enfants qui est venu faire un Lucie qui est venue faire coucou aujourd'hui et quand on a, voilà, et donc on doit aussi penser dans ce moment-là aussi aux personnes qui sont seules, aux personnes qui vont être malades et isolées. J'ai une collègue qui est isolée en ce moment et qui se sent très seule et donc il faut, voilà, il faut le lien que vous voyez là et que vous exprimez qui est très touchant, hein, tous vos commentaires sont très touchants, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir maintenir. Et donc merci Patrick de pouvoir créer ce lien aujourd'hui et de m'avoir invité à y participer. Voilà. Et Patrick a été déconnecté. Donc maintenant, bon, alors, du l'espace coup, pendant... est nous. Maintenant que le chat n'est plus là, nous pouvons danser. À mon tour, je remercie tout le monde pour cet échange effectivement passionnant qui montre que face à cette crise qui est d'une ampleur sans précédent, on a effectivement des expériences, comme le disait Patrick, d'établissements qui ont été fermés, y compris à l'échelle de plus d'une zone ou de plusieurs pays. Mais à ce niveau-là, c'est assez incroyable et je dois dire qu'on est tous touchés d'une manière ou d'une autre, qu'on soit les écoles, qu'on soit parents d'élèves ou qu'on soit partenaire des établissements, on est tous au même endroit. Bien entendu, nous resterons à vos côtés pour les prochains jours et pour ces prochaines semaines. Nous allons nous coordonner avec Eutelmed et TZ pour envoyer des communications et être à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter et à poursuivre les échanges sous d'autres formats, on en sera ravis. Voilà, bien. Donc, comme on n'a plus Patrick Tenez, eh bien, nous allons conclure ce webinaire et je pense qu'ensuite, on va aller l'aider avec ses questions techniques puisque Patrick semble avoir des problèmes techniques. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation et peut-être à bientôt s'il y a un autre moment d'échange comme celui-là. Voilà, merci. À bientôt. Ouais. À bientôt. Bonne journée à tous. Yeah.